Bonsoir et bienvenue pour cette soirée spéciale depuis le hangar 14. Nous avons pu assister depuis ce matin 9h à la grande journée de BM 2050. Qu'est-ce donc que BM 2050? Eh bien justement, nous allons pouvoir nous en rendre compte et savoir ce qui s'est passé durant toute cette journée et bien avant aussi avec nos premiers invités, à savoir Michel Larue-Charlu. Bonsoir, vous êtes à l'origine un petit peu, c'est vous qui avez piloté cette opération BM 2050. On va voir avec vous pourquoi et comment. Et vous le verrez, c'est d'ailleurs ce qui est tout à fait visible au hangar 14 depuis ce matin. Beaucoup de choses ont été faites, et beaucoup de gens ont participé, hein, plus de 120 000. Hein, enfin, c'est quelque chose d'énorme. Donc c'est un vrai succès, on va en parler. Et justement, pour participer, il y avait aussi un concours de nouvelles. Alors vous, c'est vous, Walid Salem, qui allez nous en parler, de rue 89, les nouvelles. Qu'est-ce qu'on nous a raconté? Comment les gens se projetaient en 2050? Et puis, il y avait aussi un serious game, un peu délirant, un peu déjanté, mais drôlement bien fait. Et on va parler avec vous, Dorothée Collignon. Vous êtes la directrice générale déléguée de Actiplay. Alors, BM 2050, pour commencer, Michel Larue-Charlu, qu'est-ce que c'est donc que cette idée qui a commencé il y a un an maintenant? Alors, c'est une idée très simple qui émane des élus de la métropole et au premier rang desquels Alain Juppé, qui a été voté à l'unanimité en février 2018. Et l'idée, c'est simplement de dire qu'est-ce qu'il faut faire ici et maintenant pour que notre vie demain, notre vie commune dans la métropole, soit aussi bonne qu'aujourd'hui, voire meilleure. Alors, ça veut dire, juste excusez-moi, ça veut dire que les hommes politiques n'avaient plus d'idées séchées ou ils avaient besoin d'un petit coup de main Non, pas du tout. Ça veut dire qu'on peut imaginer qu'on est au bout d'un cycle depuis 25 ans, que le monde change vite, qu'il y a énormément de choses qui ont changé depuis quelques années, qu'on arrive peut-être au bout du projet urbain de Bordeaux et que depuis 3 ans, nous sommes une métropole. Donc le territoire n'est plus le même. Donc il faut penser à un projet métropolitain. Alors l'originalité de la démarche, c'est que les élus ont dit... Et essayez de voir si le moment est venu d'infléchir les politiques publiques. Débrouillez-vous comme vous voulez, mais il faut que vous arriviez à faire émerger des propositions. Et ces propositions, il faut qu'elles émanent de tous les segments de la société. La méthode, elle vous appartient. Faites comme vous voulez. Alors, au départ, lorsque vous avez demandé « projetez-vous en 2050 », beaucoup de personnes ont répondu « attendez, en 2050, je ne serai plus là », etc. Et au fur et à mesure, il y a eu quand même pas mal de choses qui ont été dites. Les gens se sont pris au jeu assez rapidement. Notamment, ça a commencé par exemple par des camions du futur qui ont sillonné un petit peu toutes les communes de l'agglomération à la rencontre directement des habitants. Ça, c'était le premier élément, premier phénomène, on va dire. Oui, au début, effectivement, les gens disent 2050, on sera mort, ça ne nous intéresse pas. Le développement durable, on ne comprend pas ce que c'est. Les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, on ne sait pas ce que c'est. Dès que vous abordez la question du point de vue de l'usage, dès que vous dites aux gens comment comptez-vous vous nourrir demain, ils comprennent très bien ce qu'est le développement durable. Dès que vous leur dites comment vous déplacez-vous et comment voulez-vous vous déplacer demain, ils deviennent très intelligents. Donc je crois qu'il faut abandonner et la langue de bois et le langage technocratique et parler de façon simple. Et si vous parlez de façon simple, ça marche, les gens sont hyper créatifs. Alors justement, c'est vrai que c'est ce qu'on voit depuis le début ici de cette grande journée au hangar 14. Beaucoup, beaucoup d'idées, parfois un peu farfelues, parfois un peu évidentes, à tel point d'ailleurs qu'on se demande mais pourquoi n'avons-nous pas pensé à ça plus tôt? Quels sont les éléments qui vous ont étonné par rapport à cette consultation, par rapport à ce que vous attendiez? D'abord, on a dit que c'était un vrai succès. La participation, oui. Un vrai succès. Alors oui, nous estimons que nous avons touché 120 000 personnes. Voilà, à titre d'exemple, Vancouver était très fier il y a quelques années d'avoir touché 35 000 personnes pour son projet urbain. Des gens que nous ne connaissons pas, des gens qui sont jeunes, enfin on va peut-être en parler tout à l'heure, ouais. Mais une très grande majorité de gens à moins de 49 ans, enfin pour moi c'est très jeune, des gens qui ont une approche finalement très créative, je viens de le dire, dès qu'on parle d'alimentation, de santé, de mobilité. Des gens qui ont, ça y est, le sentiment que la métropole ne peut pas rester figée sur elle-même. La métropole n'est pas autarcique. Donc, on a vu naître une grande solidarité avec les territoires périphériques hors métropole. Je pense que c'est important. Et le dernier sentiment que j'ai, c'est que, oui, les gens ont envie de participer. Ils ont d'abord envie d'être informés. Et oui, ils attendent une parole politique forte et un nouveau projet métropolitain, un projet réformiste fort.
Il y a un leitmotiv qu'on retrouve assez nettement, c'est la prise en compte du réchauffement climatique. On va avoir l'occasion d'en reparler notamment avec Walid Salem qui a lancé un concours de nouvelles. Mais pour vous dire et pour vous montrer qu'effectivement tout le monde a pu participer, ça a été pendant une année un véritable laboratoire à idées. Même les plus jeunes y ont participé. Tenez, regardez. Je vous propose que nous retournions. Oh, allez, on est à quelques mètres de notre plateau avec une magnifique maquette et Amandine qui nous attend pour nous expliquer effectivement ce que les enfants ont fait. C'est un beau succès ce qui est derrière vous. Oui, Bastien, vous avez vu, j'ai pas été très loin de vous en effet, juste derrière, et je suis avec Thierry Charenton. Alors il est animateur dans un centre d'animation à Bordeaux, et il va nous expliquer ce projet qui a été mené par des jeunes enfants, et ils se sont intéressés à quelque chose pour le futur, quelque chose qui les concerne finalement, c'est leur école. Tout à fait. Alors en fait, leur projet, c'était d'imaginer leur école en 2050. Donc ils ont été très enthousiastes à l'idée, et on peut repérer trois grandes idées très rapidement. C'est en premier lieu avoir des animaux dans l'école. Ça, pour eux, c'était extrêmement important, avoir des animaux pour participer à la vie de l'école, pour apaiser l'école. C'était très important pour eux. Des espaces verts et une école très colorée. Voilà, ils aiment la couleur. Un peu difficile pour eux, les écoles un peu grises d'aujourd'hui. Donc ils voulaient beaucoup de couleurs et une école complètement autonome énergétiquement. Alors on peut également regarder quelque chose d'assez incroyable qu'ils ont imaginé passer au-dessus de leur école, c'est un téléphérique électrique. Vous nous en dites un peu plus ? Alors en fait, la difficulté pour eux, c'est de venir à l'école. Voilà, c'est dangereux, il y a des voitures, des scooters, etc. Ils se sont dit, mais on serait en sécurité si on arrivait en téléphérique dans les airs, tranquillement. Et on aurait le temps d'arriver, pas besoin de se stresser le matin, on est sûr d'arriver à l'heure. Alors ces enfants, quel âge avaient-ils d'abord ? Et puis expliquez-nous la façon dont ils se sont mobilisés finalement pour ce projet, parce que c'est le futur, c'est dans 30 ans, ça doit leur pas être un peu loin quand même. Alors effectivement, pour eux, c'est un peu loin. Au début, on leur a demandé de parler de la ville et ils nous ont dit très vite, nous, ce qui nous intéresse, c'est de parler de notre école. Donc ça, c'était très rapide. On a mis 6 mois pour réaliser le projet. On a commencé au mois d'octobre. Donc il y a eu 1,5 mois, 2 mois de réflexion avec eux, de travail sur les thématiques et après la réalisation. Alors on n'a pas fait ça tout seul. On a eu la chance dans l'école d'avoir des parents qui sont architectes et qui se sont associés au projet. Et ça a beaucoup aidé les enfants. Et surtout, ce qu'ils ont proposé, finalement, on se rend compte, c'est des choses qui existent déjà aujourd'hui. Et qui, en fait, il suffit juste de prendre ce qui existe et de l'améliorer un petit peu, mais ils n'ont pas été chercher forcément des choses très, très, très loin. Voilà, Bastien. Alors, vous aurez bien compris que finalement, les enfants d'aujourd'hui, eh bien, ce sont les adultes du Bordeaux Métropole 2050. Et ils ont plein d'idées. Je crois qu'on va pouvoir s'en inspirer pour le futur. Absolument, et c'est d'ailleurs également possible de le trouver ici au Hangar 14. Et il y a ce recueil, justement, vous voyez, c'est très épais, et c'est toute la participation des enfants qui ont inventé des objets de demain. Il y a deux tomes. Il y a deux volumes. Alors, je ne vais pas tout vous raconter, mais il y a des moments absolument extraordinaires, des objets absolument fabuleux. Moi, j'aime beaucoup le téléphérique qui va de Capucin à Arcachon. Voilà. Et puis, les enfants qui ont aussi la volonté de mettre en place des circuits courts pour leur cantine. Enfin, bon, voilà. Il y a pas mal de choses qui ont été dites à l'occasion donc de cette maquette assez réussie. Walid Salem, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup de façons de consulter. Donc, on l'a vu tout à l'heure, il y a eu des camions du futur qui sont allés dans les communes. Il y a également eu un concours de nouvelles. Alors, combien de personnes ont participé et qu'est-ce que l'on peut dire de ces nouvelles-là, la tendance ? Alors, il y a eu à peu près 85 personnes. C'est vrai que nous, on ne s'attendait pas forcément à quelque chose de précis. Du coup, quand on a vu cette participation, on a plutôt été content. C'est quand même un cahier des charges. Enfin, un règlement plutôt de participation qui était relativement précis, relativement difficile, qui fait appel à un peu de travail, qui fait appel à un certain savoir-faire en matière d'écriture. Donc, on ne savait pas vraiment ce qu'on allait avoir comme retour. Donc, 85, c'est pas mal. 85 dossiers qui viennent de Bordeaux, de sa métropole et de toute la France. Et oui, parce qu'il faut savoir, la personne qui a effectivement remporté ce concours de nouvelles n'est absolument pas bordelaise, elle s'est renseignée bien évidemment sur ce qui est Bordeaux, etc. Mais elle n'est pas bordelaise. Nathalie Cotreau, oui, tout à fait. Elle vient de Grenoble. Elle a visité Bordeaux de manière virtuelle et elle a construit son histoire sur ce qu'elle a pu recueillir. Est-ce qu'il y a un leitmotiv, quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement autour de ces 85 participations ? Alors évidemment, je vais rien vous apprendre. Vous l'avez dit, il est question de réchauffement climatique, il est question d'écologie, il est question de climat et forcément des inquiétudes
qui se rattachent un petit peu. Alors, tantôt, Bordeaux est sous l'eau, tantôt, la Garonne est asséchée. Il y a quand même plusieurs scénarios. Évidemment, ces scénarios se rejoignent souvent parce que c'est quelque chose qui peut porter tort à la région, notamment à son vin. Le vin se retrouve... Ah oui, Nathalie Cottreau ouvre sa dernière bouteille de bon vin qui date de 2010. Donc, le vin se retrouve sans aucun goût et qui a perdu, évidemment, ses qualités. Donc, il y a forcément la question du climat et de la planète, de l'écologie, mais on peut aussi voir qu'il y a d'autres choses, d'autres inquiétudes qui ont disparu, comme par exemple le terrorisme, on n'en parle plus. Ça ne veut pas dire que certains ne l'ont pas, n'y ont pas pensé. On a quand même laissé une liberté d'imagination. Le seul cahier des charges était entre 15 000 et 20 000 signes et le sujet Bordeaux 2050. Il y a eu également pas mal de participation, cette fois grâce à un Serious Game. Alors, je vous conseille sincèrement d'aller faire un tour aussi sur le site BM 2050. Vous avez directement accès à ce Serious Game. Expliquez-nous un petit peu, Dorothée Collignon, quel était l'objectif de ce Serious Game. Parce que là, vous prépariez des scénarios, vous demandiez aux gens de réagir. Il y avait des petites vidéos assez étonnantes. Voilà, expliquez-nous un petit peu votre démarche. La démarche est donc une idée issue de Michel. L'objectif était aussi de rendre la participation citoyenne au plus grand nombre et aussi aux jeunes qui utilisent l'innovation souvent comme quelque chose d'important pour porter leur parole. Et donc le Serious Game est une forme de prise de parole intéressante. Ce Serious Game s'est construit autour de pépites, donc des centres d'intérêt, ouais, qui faisaient appel tout autant aux thématiques de se divertir, se déplacer, habiter la ville, travailler. Les choses intéressantes qui en ressortent aujourd'hui, on est à peu près, je ne crois pas me tromper, on est à peu près à 50 000 participants. Les choses intéressantes, on a plus de 50% de personnes qui ont répondu, qui ont entre 18 et 40 ans. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, les jeunes se sentent concernés par leur avenir. C'est vrai qu'on a l'image de la jeunesse qui est insouciante et qui se moque un petit peu de tout ça. C'est une idée fausse, peut-être. Complètement fausse. Mais effectivement, quand on leur amène les choses de façon un petit peu loufoque, comme vous le disiez, avec des visuels bien travaillés, mais des questions extrêmement fortes sur la société, eh bien, on y retrouve tous de l'intérêt et les choses partagées. Il y a une pépite qui me plaît beaucoup, moi, sur l'enseignement et la formation. Les réponses sont assez incroyables en termes d'investissement, où on sent que les jeunes veulent aussi participer à l'enseignement des plus jeunes derrière. Voilà, il y a de belles choses qui en ressortent et c'était extrêmement intéressant de travailler le sujet avec les équipes de Michel. Il y a même un scénario qui propose de pouvoir faire du surf sur la Garonne. Alors, c'est pour tout de suite, mais c'était assez... Bien sûr, pas de problème de faire du surf sur la Garonne. Alors, c'est vrai qu'on a effectivement l'impression qu'il y a une véritable volonté d'engagement. Et ça, c'est peut-être une surprise ou pas, finalement, cette volonté de s'investir, de s'impliquer, d'être plus partie prenante dans les décisions. Est-ce que ce n'est pas aussi un leitmotiv qu'on retrouve autour de cette consultation pendant une année ? Alors moi, je suis persuadée que lorsqu'on fait confiance aux gens, lorsqu'on les considère comme des personnes sensées, ça va tout seul. Ouais. Peut-être que je suis très naïve, mais je crois ne pas l'être. Donc, ce n'est pas si difficile que ça. C'est chronophage, il faut prendre du temps. Il faut discuter avec les gens, il faut les écouter. S'ils ont confiance, s'ils ont le sentiment qu'ils sont reconnus et qu'ils ne disent pas de sottises, ils disent très rarement des sottises, ça marche tout seul. Donc, c'est une vraie réussite. Donc, on beaucoup de personnes touchées, un public plutôt jeune, même si effectivement ça n'était pas au départ le public le plus évident à capter. Or, on l'a vu, ça fonctionne. Le réchauffement climatique, la volonté de s'impliquer dans la vie de la cité. Quels sont les leitmotifs qu'on retrouve aussi encore au-delà de tout ça ? La mobilité. La mobilité, la question de la mobilité, on va en parler tout à l'heure. Oui. La nature.
La nature. La nature, l'environnement, la nature, l'idée de marcher à l'ombre, d'avoir une ville verte, la mobilité et par le biais de la mobilité, le logement et la forme de la métropole. Jusqu'où on va dans la métropole, est-ce qu'on continue à faire 50 km pour aller se loger ? Finalement, au travers des pépites du Serious Game, on peut aussi lire une histoire de la métropole ou lire une histoire future de la métropole. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre aussi, c'est que le territoire de l'agglomération va aussi beaucoup évolué d'ici 30 ans. On pourrait très bien se retrouver, et c'est même vous qui l'avez dit, dans une espèce de méga métropole qui pourrait aller de Libourne à Arcachon et d'Angoulême à Hendaye. Dans le Serious Game, on a mis des projets à Bergerac, à Périgueux, à Angoulême, et notamment on a décentralisé l'université pour envoyer 2-3 000 étudiants dans toutes ces villes moyennes qui souffrent. On est persuadé que c'est une bonne idée. Ça fait du bien, non, ce petit air un petit peu d'imagination, un peu de fantasme. On se laisse aller aux idées, même si elles sont peut-être un peu farfelues, mais pourquoi pas après tout. Je ne vous le cache pas, pour mes équipes qui ont entre 25 et 30 ans de moyenne, quand on a commencé à travailler sur le projet... Vous êtes vous-même dit, on ne va quand même pas faire ça. Et puis si vous l'avez fait... On a adoré. Tout le monde a participé. Les relectures étaient vivantes, extrêmement riches. Et quand on voit même au sein de l'équipe projet, ces jeunes s'investir et s'enthousiasmer autour, il n'y a pas de raison que la mayonnaise ne prenne pas. Alors, est-ce que c'est lié à l'époque que l'on traverse aujourd'hui ? C'est-à-dire une prise de conscience peut-être que nous sommes dans un moment important de basculement de la société au niveau du réchauffement climatique, au niveau de plein de choses. Est-ce qu'il vous semble que justement ce BM 2050, ça a marché parce qu'il y a une prise de conscience qui, quelque chose, va et doit changer ? Moi, je pense que non. Je pense que dès qu'on stimule l'intelligence humaine, la créativité, ça marche. Donc je pense que quelle que soit l'époque, on se serait amusé en faisant le Serious Game, on aurait eu des réponses. Les sujets d'inquiétude ne sont pas les mêmes. Je pense que c'est plutôt par le biais des nouvelles qui n'auraient sans doute pas été les mêmes il y a 10 ans, il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Ouais. Et concrètement, là, si on veut participer, c'est trop tard ou on peut encore s'amuser un petit peu avec tout ça ? Pour gagner les nouvelles, pour gagner c'est la fini. Zoé, c'est trop tard. Les nouvelles, c'est fini, ça c'est bon. La Zoé, c'est trop tard. C'est trop tard, mais vous pouvez jouer. Tout le monde peut jouer encore. Oui. D'accord. Oui, le site est en ligne. Vous pouvez complètement jouer, y accéder par le site de Bordeaux Métropole sans aucun problème. Voilà. Deux semaines, c'est tout. Deux semaines encore. Encore deux semaines. Faites vite. Sincèrement, profitez-en parce que c'est vraiment assez étonnant. Et puis, même quand on le fait, ben, ça fait du bien d'imaginer des choses un peu farfelues comme ça. Et pourquoi pas un jour seront-elles réalisées, en tout cas quelques-unes. Rapidement, la nouvelle qui vous a le plus marqué au-delà de la victoire ? Oui, alors il y a eu des nouvelles qui parlent d'amour, qui parlent de poésie, qui parlent de... Moi, il y en a une qui parle d'amour, justement, ouais. Où un garçon, pour plaire à sa chérie, a trouvé le moyen de pirater le système électrique de Bordeaux et de couper Bordeaux en une nuit pour pouvoir admirer les étoiles. C'est beau, l'amour. Dorothée Collignon, qu'est-ce que vous avez retenu, peut-être ? Alors, pour ma part, la pépite que j'ai préférée, ouais, sur le Serious Game, c'est celle qui nous permet d'aller en téléphérique du bassin à flot jusqu'au rocher de Palmer. Aussi, on en parle. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de téléphériques. Même les enfants y ont pensé, entre les Capucins et Arcachon. Et vous, Michel Larucher ? Ce que je préfère, c'est un peu long à expliquer, ce sont les galeries techniques que l'on pourrait creuser sous les rues, qui permettraient de réorganiser le réseau et enfin de planter des arbres partout, ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. D'accord. On peut aussi faire passer des ordures ménagères, de la petite messagerie, tout ce qu'on veut. Merci. L'avenir. Merci beaucoup. En tout cas, voilà, vous savez maintenant ce qu'était BM 2050, comment ça marchait, quelles ont été quelques-unes des pistes que l'on peut maintenant évoquer. Ben, on en parle dans un instant, mais avant, regardez, BM 2050, ben, Amandine Roncon en parle aussi tout de suite. Regardez.